Les visiteurs de l'espace. Bonjour Pocoyo. Bonjour. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Pocoyo, je crois que ce petit martien voudrait prendre une photo de toi. Ces fleurs sont magnifiques, Pato. Regarde, j'ai l'impression que ton jardin leur plaît beaucoup. C'est très ressemblant, en effet. Comment se passent tes cours de danse, Ellie? Tu as raison, c'est très important de faire des étirements. On dirait que tu as de nouveaux fans. On a vu beaucoup de petits martiens aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils veulent faire des selfies avec ton sandwich. Attention, Nina! Ah!
Il est l'heure pour les petits martiens de rentrer chez eux, sur leur planète. Il a dit « Merci pour tous les amis ». Que vous avez tous passé une journée extraordinaire. Eh bien, tant mieux. Ellie dit que vous êtes les bienvenus si vous voulez revenir les voir. Mais ne venez pas tous en même temps la prochaine fois. Attendez! Oh, je vois! Tu veux leur donner des sandwichs pour leur long voyage? C'est très gentil à toi, Pocoyo. Au revoir, les amis. Et à bientôt. Maman Poule. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Tu fais une promenade? Oh, des œufs de poule. C'est curieux. Je me demande où est passée leur maman. Oh, 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 c'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais leur maman n'est toujours pas revenue. Il faut que quelqu'un veille sur eux jusqu'à son retour. Tu crois que tu en es capable? Oui, Pocoyo va veiller sur eux. Ne les laisse pas partir, Pocoyo. Suis-les. Ah, tu devrais peut-être leur apprendre à se percher. Bravo, Pocoyo. Ah, je crois que tu as besoin d'aide, Pocoyo. Peut-être que Pato pourra te conseiller. Non, pas Pato. Ellie va aider Pocoyo. Ellie! Mais oui, tu as raison. Elle fera une super maman. Ellie, tu veux bien aider Pocoyo à veiller sur ses poussins? Vous avez vu? J'ai l'impression que quelqu'un sait se faire obéir au doigt et à l'œil. Mais qui est-ce? C'est Pato. Quelle surprise! Tu es plus doué qu'on ne pensait pour jouer les mamans poules, Pato. Bravo! Tu leur as appris à se percher. Qu'est-ce que tu vas leur apprendre d'autre? À voler? Mais les poussins ne volent pas, voyons.
Incroyable! Tu es vraiment fait pour élever des poussins. Eh bien, tu me surprendras toujours, Pato. Qu'est-ce que tu vas leur apprendre encore? Oh non, les poussins ont disparu, Pato. Où sont-ils? Ah, ouf, ils ont enfin retrouvé leur maman. Mais oui, Pato, c'est normal. Leur place est auprès de leur mère. Oh là là, tu as l'air bien fatigué. Et voilà, Pato. Repose-toi bien. Eh bien, on dirait que tes nouveaux amis ne veulent plus te quitter. Ils sont adorables. Bonne nuit, Pato. Au revoir, les amis. Et à bientôt, les vacances. Bonjour, Pocoyo. Je suis content de te voir. Bonjour. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Où étais-tu passé? Ah, d'accord. Tu étais en vacances. Tu dois avoir hâte de raconter tout ce que tu as fait à tes amis. Tiens, justement, voilà Pato. Lui aussi rentre de vacances. Quelle chance! Toi et Pocoyo, vous allez avoir plein de choses à vous dire. Mais oui, toi aussi, Ellie. Les vacances sont finies pour tout le monde. Il est temps de revoir ses amis. Enfin chez soi. Eh bien, c'est bon de retrouver tous ces vieux amis, n'est-ce pas? Ah, Ellie, parfait. Tout le monde est là. Ah, et voilà Dodo l'oiseau aussi. Et maintenant, racontez-moi ce que vous avez fait pendant vos vacances. Qui veut commencer? Toi, Pato? Ah, tu es allé à la plage. Et tu as bâti un magnifique château de sable. Ensuite, tu es allé pêcher. Quoi? Mais qui est-il? Le poisson était plus gros que ça? Encore plus gros? Mais gros comment alors? Incroyable! Ah, tu es allé dans le nord, Ellie. Allez, raconte-nous tes vacances. Tu t'es fait de nouveaux amis. Et vous avez fait un gros bonhomme de neige. Oh, ça alors, il est vraiment énorme. Tu as fait du surf et sauté des bosses. Ça, c'est trop cool. Quoi, qu'y a-t-il? La bosse était plus haute que ça? Aussi haute que ça? Je vois.
elle était tellement haute que tu t'es envolé si haut dans le ciel que tu as même eu le temps de lire et de faire du yoga et de prendre le thé entre amis. Là, j'ai un petit peu de mal à te croire. Et j'ai l'impression que Pocoyo et Pato ont aussi du mal à te croire. Très bien, Ellie, si tu le dis. À ton tour, Pocoyo. Raconte-nous tes vacances. Tu t'es promené dans le cosmos. Tu as croisé des planètes incroyables. Une planète en forme de salade. C'est très bon pour la santé, les salades. Et une planète en forme de fraise. Yam, yam. Et puis tu es arrivé sur une planète en forme de gâteau décoré de bonbons géants. Tu es vraiment sûr de ce que tu dis, Pocoyo? On dirait que tu t'es beaucoup amusé sur cette planète. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé la planète tout entière! Oui! Dis-moi, ça s'est vraiment passé comme ça? Mais j'ai l'impression que les autres ne croient pas à ton histoire, Pocoyo. À toi, Dodo l'oiseau. Raconte-nous tes vacances. Qu'est-ce que tu as fait? Je crois que c'est toi qui as passé les meilleures vacances. Non, c'est moi. Mais arrêtez tous les trois, vous n'allez quand même pas vous disputer. C'est vrai, c'est tellement sympa de raconter ses vacances à ses amis. Même si certaines de vos histoires ne se sont pas passées tout à fait comme vous les avez racontées. Non. Allons, Pocoyo, arrête de bouder. Après tout, le plus important, c'est que vous soyez contents de vous retrouver et de vous amuser ensemble. Allez, les amis, c'est l'heure d'aller jouer. Oui. Et on n'invente plus d'histoires à dormir debout. Au revoir. Au revoir, Pocoyo, et à bientôt. Le retour du Martien Grognon. Tiens, bonjour, Martien Grognon. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu dans le coin. Je suppose que tu vas rendre visite à des amis. Ah, je vois. Tu veux conquérir le monde. Encore une fois, et comment vas-tu t'y prendre? Tu as un plan au moins? Ah, désolé, je n'ai rien compris. Ah, tu as inventé une télécommande qui te permet d'échanger ton esprit avec celui de quelqu'un d'autre. Comme ça, tu peux lui jouer des sales tours et gâcher ses jeux et sa journée. C'est ça ton plan pour prendre le contrôle de la planète et dominer le monde? Eh bien, je ne trouve pas ça très gentil. Mais ta télécommande fonctionne? Ce n'est plus Pocoyo, c'est le Martien Grognon, c'est ça! Oh là là!
Bravo, Pato. Tu as peint un très joli tableau. Oui, merci. Le tableau de Pato est mille fois mieux comme ça. Oui. Oh, oh, Pocoyo. Petite chenille te prend pour le martien grognon et j'ai l'impression que tu lui plais beaucoup. Je suis désolée, petite chenille, mais ce n'est pas le martien grognon. Non, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas le martien grognon, c'est Pocoyo. On dirait qu'Ellie est captivée par son livre. Bien joué, Martien. Ellie ne s'était jamais balancée aussi haut. Décidément, tu es très gentil pour un Martien grognon. Oh, j'ai compris. Tu veux récupérer ton corps, c'est bien ça, Pocoyo? Assez. Tu veux arranger la situation? Ouf, j'espérais que tu dirais ça. Bien. Si on y réfléchit, tu as vraiment conquis le monde, puisque tu as résolu tous les problèmes. Eh bien, c'est merveilleux. Il faut absolument fêter ça. D'où vient ce bruit? Nous avons un visiteur qui vient de l'espace. Ce serait gentil si on lui disait bonjour. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Bonjour, Martien. Oh là là. Oh, j'ai l'impression qu'il est timide. Calme-toi, tout va bien. Tu n'as que des amis ici, petit Martien vert. Bienvenue sur notre planète. C'est la première fois que tu viens. Dans ce cas, je vais te présenter quelques-uns de nos amis. Et, au fait, tu viens ici en paix, n'est-ce pas? Je suis sûr que nos amis vont beaucoup te plaire, tu vas voir. Youpi! Tiens, qui va là? Oh, c'est Pocoyo. Oh non, 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 attends, Pocoyo. Pocoyo. Bonjour. J'aimerais te présenter quelqu'un. Non, non, il est au-dessus de toi. Oui, je sais, notre ami est assez timide. Alors il va falloir être très gentil avec lui. Ah.
Oui, c'est mieux. Oui! Pocoyo, attention, sois gentil. Oh, s'il vous plaît, les enfants, vous savez qui crie comme ça? Pato, c'est Pato! Non, arrête! Oh, zut, son chapeau est encore tombé sur ses yeux. Pato! Pato! Tu vas arrêter, oui. Tu fais peur à notre nouvel ami. Attention! Oh là, il a failli marcher dessus. Mais où est passé le petit martien? Oh, te voilà. Écoute, je tiens à te faire des excuses. Pato n'est pas comme ça d'habitude. On va te présenter Ellie. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Elle est vraiment très gentille. Oh zut! Oh là là, je ne peux pas empêcher l'accident. Et je... Oh! Oh non! Oh, je suis vraiment désolé. Mon jeune ami. N'aie pas peur. Regarde, Ellie et Pato sont là. Tu vois, ils ne sont pas méchants. Les enfants, vous ne croyez pas que Pocoyo et le Martien devraient aller dire bonjour à Ellie et à Pato? Oh là là! Dommage, ça ne s'est pas passé comme nous l'avions imaginé. Ce n'est pas grave. Tu leur as fait peur, c'est tout. Ah, ils reviennent. Les amis, je voudrais vous présenter un nouveau venu. C'est un martien vert. Eh oui, il vient de l'espace. Vous voyez, j'étais sûr que vous alliez l'adorer. Il suffisait juste d'apprendre à le connaître. Tiens, qu'est-ce que c'est? Oh, ce sont sûrement ses parents. Je pense qu'ils sont venus pour ramener leur fils à la maison. Votre garçon est vraiment adorable. On s'est beaucoup amusé avec lui, Madame la Martienne. Et... Ah, pardon. Vous êtes un monsieur. Oui, pardon. Oh, zut! Nos amis sont sur le point de partir et Pocoyo et Ellie ne sont pas là pour dire au revoir à leur nouveau copain. Attention, ils vont s'en aller. Oh, comme c'est dommage. Vous avez vu? Oh, regardez, c'est Ellie et Pocoyo. Ils sont venus leur dire au revoir. Vous savez quoi, les enfants? On va leur dire au revoir tous ensemble. Au revoir, les Martiens! Un grand bravo pour nos nouveaux amis. Au revoir! Et revenez vite nous voir! Le parc d'attractions. Bonjour les amis! Vous allez quelque part? Ah! Vous allez au parc d'attractions! Vous allez bien vous amuser!
Oh là là, ce bus est bondé. Je crois que vous allez devoir attendre le suivant. Le voilà. Mais non, ne vous inquiétez pas, les amis. Il reste encore un bus. Justement, le voilà. Oh non, c'était le dernier bus de la journée. Quel dommage, pas de parc d'attractions aujourd'hui. Mais peut-être que vous pourriez trouver une activité tout aussi amusante, non? Tu as une idée, Nina? Bravo, Nina! Ce manège était très amusant. Ah, toi aussi, tu as une idée, Pocoyo. C'est très amusant, mais j'ai l'impression que Pato est tout barbouillé. Autour d'Eli maintenant. Formidable! Tu as réussi à fabriquer une course d'obstacles pour jouer. N'aie pas peur, Pato. Tu vas y arriver. Pato aussi a trouvé une idée de manège. Il va vous montrer. Ah, Roberto, je crois que Pato a besoin d'un coup de main. Attention, les amis, vous allez beaucoup trop haut. Bye.
Avec un peu d'imagination, vous avez inventé votre propre parc d'attractions à la maison. Au revoir et à bientôt. Bonjour. Oh. Mais d'où vient ce bruit? Bonjour. Oh, pardon, je ne voulais pas te faire peur. Excuse-moi. Oh non, bien sûr, je comprends. Tu n'as pas eu peur du tout, bien sûr. Je me suis trompé. Mais au fait, où vas-tu exactement? Tu cherches le monde de Pocoyo. Vraiment, ça tombe bien, parce que nous savons comment y aller. Aucun problème, nous serions ravis de te montrer le chemin. Qu'y a-t-il de si drôle? Ah, rien du tout. Bon, si tu veux. Alors, s'il vous plaît, les enfants, vous voulez bien lui indiquer le chemin pour aller chez Pocoyo? C'est par là! Suis la flèche! Oui, ils ont raison. Écoute-les et suis la flèche. Et bon voyage surtout! Nous sommes arrivés. Oh, mais au fait, tu viens en ami, j'espère? Non? Oh, c'est affreux! Oh non, j'ai l'impression que ce martien a un plan pour prendre le contrôle du petit monde de Pocoyo. Oh, quelle surprise, regardez, il est tout petit. Oh, comme c'est mignon. La petite chenille aimerait te remercier pour son nouveau chapeau. Et le martien dit qu'il est venu ici pour devenir roi, petite chenille, pas pour fabriquer des chapeaux idiots. Pocoyo, j'aimerais te présenter ce minuscule martien. Il est venu exprès dans ton monde pour... jouer? Non, pas exactement. Si j'ai bien compris, ce qu'il cherche, c'est à devenir le roi de ta planète. Ellie. Bonjour, Ellie. Soyez gentils, les enfants. Je compte sur vous pour expliquer à Ellie et à Pocoyo d'où vient ce drôle de bruit. C'est le martien. Ellie lui a marché dessus. Eh oui, c'est exact. Oh, le pauvre. Oh, le voilà. Mais dans quel état? Il est tout plat. Oh, maintenant, tu es comme neuf. Et si tu jouais à la balle avec tes nouveaux amis avant de partir à la conquête de la planète? Oh, quel mauvais caractère! Pato, le martien te donne l'ordre de pousser ton pot de fleurs vers la gauche. Fais ce qu'il te dit. Pato est d'accord avec toi, petit martien. Il trouve que son pot de fleurs est beaucoup mieux là. Et il te remercie de lui avoir donné ce gentil conseil. Le martien dit que ce côté de la barrière est à lui et que personne n'a le droit d'y venir. Bonne idée! C'est amusant de sauter d'un côté à l'autre. Attention, Ellie!
Le pauvre Martien essaie de te faire peur, Ellie. Oh, c'est malin, tu as cassé ton canon. Regarde. Allons, allons, arrête de pleurer, ce n'est pas si grave, tout va s'arranger. Au lieu de ne penser qu'à prendre le contrôle de la planète, tu devrais essayer de te faire de nouveaux amis. Nous, on veut bien être tes amis si tu veux, mais tu dois nous promettre d'être gentil, d'accord? Vous voulez bien être amis avec le Martien s'il est gentil avec vous? Oui, on sera tes amis. On t'aime bien, petit Martien. Tout ce que l'on te demande, c'est d'être gentil. Voilà, c'est beaucoup mieux. Tu n'as peut-être pas pris le contrôle de ce monde, petit Martien, mais ce qui est sûr, c'est que tu as conquis notre cœur. Un grand bravo pour notre nouvel ami Martien. On doit être gentil si l'on veut se faire des amis. Au revoir et à bientôt. Camping à la montagne. Oh. Oh. Bonjour, Patou. Eh bien, quelle chaleur terrible aujourd'hui. Tu as raison, Pocoyo. Vous devriez aller vous réfugier dans un endroit frais comme... à la montagne, par exemple. Pato, je crois que tu es le mieux placé pour diriger cette excursion. D'ailleurs, je vois que tu es très bien équipé. Me voilà enfin arrivé au sommet. Quelle vue incroyable!
Ah, te voilà enfin, Pato. Ce n'est pas trop tôt. Dépêche-toi de planter ta tente comme Pocoyo et Nina. Ah, voilà les piquets de la tente. Mais ce sont des clubs de golf. Je crois que tu t'es trompé de sac, mon pauvre Pato. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que Pocoyo et Nina vont trouver une solution. Regarde, Pato, un cadeau pour toi. C'est magique, n'est-ce pas? Finalement, c'est formidable de camper à la montagne, pas vrai? Bonne nuit, les amis, et à bientôt. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Bonjour, Ellie. Bonjour, Pato. Mais d'où vient ce bruit? Oh, je vois. Pato avait mis son réveil à sonner. Tiens, c'est bizarre. Tu fais ta valise? On peut savoir où tu vas, Pato. Ah, tu vas rendre visite à tes amis Fred et la baleine qui vivent sous l'eau. Tu vas bien t'amuser. Bonne idée. Là où tu vas, tu risques d'en avoir besoin. Vous vous demandez sûrement où va Pato. S'il vous plaît, les enfants, voulez-vous bien dire à Ellie et à Pocoyo où va leur ami Pato? Rendre visite à Fred et à la baleine. Il va aller sous l'eau. Au revoir, Pato. Amuse-toi bien. Jouer avec de bons amis au fond de la mer, qu'est-ce qui pourrait être plus amusant que ça? Mais qu'est-ce que... Oh! Une balle. Excellente idée. Vous allez jouer à attraper la balle. Oh, 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 oh. C'est difficile de jouer à la balle dans l'eau. Attention. Tous tes jouets sont en train de flotter et de s'éloigner. Avec quoi vas-tu jouer maintenant? Ah, ta trompette! Ça devrait être amusant. Oh, quel drôle de son! Apparemment, l'eau et la trompette ne vont pas bien ensemble. Regarde! Ça, tu devrais pouvoir le faire partager à tes amis. C'est une bande dessinée. Oh non! L'eau a mélangé les couleurs. Pato! Oh, comme c'est drôle! Tu n'arrives même pas à piquer une grosse colère. L'eau ralentit tes mouvements. Malheureusement, j'ai l'impression que Pato ne s'amuse pas autant qu'il l'avait prévu. Oh, il
rien de tel qu'un bon repas pour retrouver le sourire. Ah! Oh! Oui, c'est plutôt intéressant comme plat. Des spaghettis faits avec des algues, c'est bien ça. Pato aimerait savoir si vous voulez goûter, les enfants. Non, non, merci. Mange-les, toi. Moi non plus. Non, non, merci. Non, 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 vraiment, j'ai mangé avant de venir. Tu vas devoir te forcer, mon petit Pato. Oui, c'est bien. Bravo. Quoi? Tu ne vas pas partir maintenant. Il est tôt. Tu es déçu parce que tu n'as pas pu utiliser tes jouets, c'est ça. Et tu n'aimes pas la nourriture que l'on sert ici. Tu as envie de rentrer chez toi. C'est normal. Apparemment, la baleine veut t'emmener faire une promenade avant que tu ne partes. Elle veut juste te montrer à quel point ça peut être amusant de vivre sous l'eau. Oh là là, oui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça très amusant. Et il y a autre chose que la baleine aimerait te montrer avant que tu ne t'en ailles. Oh, une bulle géante! Regarde ça! Tu peux jouer à la balle à l'intérieur, exactement comme là-haut. Qu'est-ce que c'est? Oh, des éponges! Un trampoline d'éponges! Que c'est drôle! J'ai l'impression que notre ami Pato passe un très bon moment. Qu'en pensez-vous, les enfants? Vous trouvez que Pato s'amuse au fond de la mer? Oui, il s'amuse, il adore être là. Tiens, qu'est-ce que c'est? Un coquillage géant. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Oui. C'est Ellie et Pocoyo. C'est important de prendre le temps de s'habituer aux nouvelles choses. Un grand bravo pour nos amis sous-marins. Au revoir, à très bientôt. Rock and roll. Bonjour Pocoyo. Tu joues de la guitare.
Excellent! Vous avez formé un groupe de rock, les amis! Bonne idée, Fred. On va prendre une photo de groupe. Qui est le leader? Moi! Une photo de groupe parfaitement réussie. Bravo, Ellie! Maintenant, il faut prévenir tout le monde que vous allez donner un concert. Nina aussi prévient tous ses amis. Bien joué, Pocoyo! Ah, c'est le grand soir, le soir du concert de rock. La salle est pleine à craquer. Bon, eh bien, il vous reste au moins un fan. Oui, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est du rock'n'roll, les amis. Au revoir et à bientôt! Je me demande où peut bien être Pocoyo. Oh, le voilà qui pilote l'aéroballon. Bonjour, Pocoyo. Bonjour! Coucou! J'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'il est en train de faire. Oh, j'ai comme l'impression qu'il veut nous montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Pocoyo? Ah, mais c'est quoi ça? Vous connaissez la réponse, les enfants? C'est une tente! Une tente! Eh oui, on peut dormir dehors avec une tente. On appelle ça faire du camping. Tu as l'intention d'aller camper, Pocoyo? C'est fantastique! Ça tombe bien, j'adore ça, le camping! Je sens qu'on va bien s'amuser. Mais au fait, tu as prévu de partir avec quelqu'un? J'ai deviné qui vient avec toi! Eh oui, Pato a accepté de t'accompagner. Parfait! Tu veux emporter quelque chose, Pato?
Tu crois vraiment que cet arrosoir va vous être très utile? Une brosse pour te savonner le dos? Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait une baignoire là où l'on va. Oh, misère. J'aurais mieux fait de me taire. Bon, oh là, je n'ose pas poser la question. C'est tout, Pato? Tu es sûr? Tant mieux. Oh, j'y pense. On a mis toutes sortes de choses dans le coffre de l'aéroballon, mais on n'a pas pensé à emporter de la nourriture. Oh, ce n'est pas vrai. Bon, j'imagine que maintenant, on est prêt à partir. Tiens, bonjour, Ellie. Peux-tu me dire ce que tu emportes pour le voyage? C'est tout? Juste ton nounours? Oh, tu me rassures. Bon, ça y est, nous sommes prêts. Mets ton nounours dans la cabine, Ellie. Nous allons décoller. Malheureusement, je crains que l'aéroballon ne soit trop lourd. Vous avez mis trop de choses dans le coffre, mes petits amis. Réfléchissez, Pato et Pocoyo, à votre avis, que devez-vous faire pour que l'aéroballon puisse décoller à nouveau? S'il vous plaît, les enfants, vous pourriez aider nos malheureux campeurs. L'aéroballon est trop lourd pour pouvoir décoller. Que doivent-ils faire? Il existe forcément une solution. Ils doivent enlever les choses du coffre. Ils ne peuvent pas tout emporter. Oui, c'est une excellente idée. Pocoyo pense que ce serait une bonne idée d'enlever ta baignoire, Pato. Et toi, Pocoyo, tu pourrais peut-être remettre le réfrigérateur à sa place. Allons, allons, mes petits amis. Il va falloir prendre une décision et choisir ce que vous allez laisser ici sans vous disputer. Prenez exemple sur Ellie. Elle accepte de laisser la seule et unique chose qu'elle voulait emporter. Elle a compris que le plus important dans cette histoire, c'est de passer un bon moment tous ensemble. Et elle a raison. Vas-y, réessaye! Ah non, c'est encore trop lourd. Pocoyo, c'est à toi de faire un petit effort. Tu ne crois pas? Voilà, j'aime mieux ça. Et voilà le résultat. Ça marche! L'aéroballon vole! On a réussi! L'aéroballon s'envole! Sans nous. En tout cas, grâce à nous, l'aéroballon a enfin quitté le sol. Malheureusement, je crois qu'il est parti camper sans nous. Tu sais, Pocoyo... Bon, d'accord, tu ne vas pas pouvoir aller camper dans la campagne ou à la montagne puisque l'aéroballon est parti sans nous. Mais tu n'as pas besoin d'aller très loin pour faire du camping. Tu as toujours tes amis près de toi et tout votre équipement. Camping! Oh, regardez-les! Parfois, j'ai l'impression que c'est aussi amusant de camper chez soi avec les gens qu'on aime que d'aller planter sa tente loin de sa maison. L'important, c'est d'avoir autour de soi ce dont on a besoin. Je pense aux amis, bien sûr. Un grand bravo pour Pocoyo! À très bientôt! «
Tiens, bonjour, Pato. Que se passe-t-il ici? Comment ça, tu fais tes valises? Mais alors, tu t'en vas? Oh, que c'est triste. Allons, Pato. Tu ne pars pas pour de vrai. Tu nous quittes vraiment. Donc, si je comprends bien, c'est le moment de nous dire au revoir. Tu veux dire au revoir à Dodo l'oiseau? Dis-moi, Pato, tu es vraiment obligé de partir? Oh, regardez, un avion! Il s'en va pour de bon. Mais enfin, Pato, tu ne peux pas partir! S'il te plaît, reste! Peut-être que si on lui demande tous ensemble, il restera. Vous êtes prêts? S'il te plaît, Pato, reste avec nous! Ne pars pas! Reste, s'il te plaît! Ne nous quitte pas! Reste! Oh, malheureusement, ça ne sert à rien. Puisque c'est comme ça, tant pis. Il va falloir dire au revoir à notre vieil ami Pato, les enfants. Si ça ne vous dérange pas, on va lui dire au revoir tous ensemble, d'accord? Au revoir, Pato! Bon voyage! Au revoir! Reviens vite! Tu vas nous manquer! Au revoir! Oh, j'ai l'impression que Pocoyo et Ellie commencent à en avoir assez de toute cette comédie. Oh, c'est trop triste. Au revoir, Pato. Il est revenu! Hurrah! Oh, tu nous as bien eu, Pato. On y a tous cru. On va faire une fête pour lui souhaiter bon retour parmi nous. Pocoyo, mais que fais-tu? Mon tour. Ton tour de quoi? Oh, j'ai compris. Tu
tout ça, ce n'était qu'un jeu. Chacun votre tour, vous allez dire au revoir à tout le monde. Partir et ensuite revenir. Bonne idée. Qu'en pensez-vous, les enfants? Vous croyez que Pocoyo devrait faire semblant de s'en aller? Oui, c'est au tour de Pocoyo de jouer. Au revoir, Pocoyo. Tu vas nous manquer. C'est amusant. Un grand bravo pour ceux qui s'en vont et un autre grand bravo pour tous ceux qui reviennent. Au revoir. À très bientôt. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Tu as un nouveau jouet à ce que je vois. Dis-moi, Pocoyo, qu'est-ce que c'est? Ah, aidez-le, les enfants. Savez-vous ce que Pocoyo tient dans sa main? Un avion! C'est un avion! Eh oui, excellente réponse. Avion. Oui, c'est bien ça. Et Pocoyo a l'air d'adorer son nouveau jouet. Je me demande pourquoi il l'adore à ce point. Ah, je crois qu'il va nous montrer pourquoi. J'ai l'impression qu'Ellie a très envie de faire voler l'avion, elle aussi. Tu sais comment faire, ma petite Ellie? Oui, c'est ça. Tu dois remonter le mécanisme. Mais attention, tu ne le remontes pas trop non plus. Oh, oh. Avion, avion, non! Avez-vous remarqué à quelle hauteur il peut voler? Oh, oh bah, on a perdu l'avion de Pocoyo. Quel dommage. Comment va-t-on faire pour le retrouver alors qu'on ne le voit même plus? Un télescope! Alors ça, c'est une très bonne idée. Bravo, Pato! Quand on regarde à travers un télescope, on peut voir des choses qui sont très très loin de nous. Vite, Pocoyo, regarde dans le télescope. Apparemment, notre petit avion a volé tellement haut qu'il se trouve maintenant dans l'espace. Je ne sais pas du tout comment on va procéder pour le faire redescendre sur Terre. Oh, mais bien sûr, grâce à l'aéroballon. Des extraterrestres. N'ayez pas peur. Oui, ils sont très amusants. Mais n'oublie pas que nous sommes venus chercher ton avion, Pocoyo. Peut-être que tes nouveaux amis savent où il est. Thank you.
Ça ne va pas être facile de l'attraper. Ellie Pato et toi, vous êtes trop petits. Sais-tu qui pourrait t'aider à le récupérer? Moi non plus. Laisse-moi réfléchir. Si seulement on connaissait quelqu'un qui pouvait étirer ses bras ou ses jambes. Et vous, les enfants? Vous voyez quelqu'un qui pourrait étirer ses bras ou ses jambes et aider Pocoyo à récupérer son avion? L'extraterrestre! Oui! Merci, gentil extraterrestre. Tu as réussi. Bravo! Oh, j'ai l'impression que vos nouveaux amis veulent vous dire quelque chose. Ils veulent faire la fête. Oui! C'est une excellente idée. En voulant retrouver son avion, Pocoyo s'est fait de nouveaux amis. Il en a de la chance. Regardez comme ils s'amusent tous ensemble. Au revoir et à très bientôt. Pato, facteur de l'espace. Bonjour, Pato. Oh, tu es très élégant aujourd'hui. Tu as trouvé un nouveau travail. Ah, je sais. Tu es facteur de l'espace. C'est un métier palpitant, n'est-ce pas? Et je vois que tu t'es trouvé un assistant. Pour qui est ce colis, Pato? Ah, il est destiné aux Martiens verts. Et c'est un colis urgent. Alors dépêche-toi de te mettre en route. Il ne faudrait pas que tu sois en retard pour ta toute première livraison. D'après l'adresse qui est indiquée sur le colis, le Martien vert devrait habiter ici. Oui, c'est bien ici. Pato, je crois que ce n'est pas le Martien vert. Ah, j'ai compris. Oui, il dit que le Martien vert ne vit plus ici parce qu'il a déménagé. Mais il sera ravi de te donner sa nouvelle adresse. D'après les renseignements qu'on t'a donnés, le Martien vert devrait vivre ici. Non, je ne crois pas que ça soit la bonne adresse. Mais ne t'inquiète pas, Pato. Les Toridoris savent où il habite. C'est curieux. On dirait qu'il n'y a personne sur cette planète. Et... Oh, pardon, monsieur le ballon. Il dit que le Martien vert ne vit plus ici non plus, mais que tu le trouveras sur cette planète-là.
c'est le Martien Vert. Tu l'as enfin trouvé. Il veut savoir pourquoi tu as autant de retard. Oh non, le Vamouche est en panne sèche. Plus de carburant. Panneaux solaires. L'énergie du soleil va t'aider à rentrer chez toi. Ouf! Soyez les bienvenus chez vous. Bon travail! Oh, c'est vrai, bébé oiseau aussi a bien travaillé. Il mérite d'être félicité. Bravo, bébé oiseau! Hourra! Oh, regardez, voilà Pocoyo, Pato et bébé oiseau. Bonjour, les amis. Bonjour. Puis-je savoir ce que vous faites dans l'espace? Une visite. Ah, vous allez rendre visite à votre ami martien. S'il vous plaît, les enfants, voulez-vous bien aider Pocoyo à trouver son ami? Criez très fort quand vous le voyez. Là, il est là, juste devant. Eh oui, juste là. Regarde, Pocoyo. Vous vous êtes enfin trouvé. Bravo! Bonjour! Oh, attendez, je me trompe peut-être, mais je crois que votre ami a très envie de vous faire visiter sa petite planète. Incroyable! Non seulement le paysage est très joli, mais en plus, on peut faire de la musique en sautant dessus. Notre ami martien a envie de te montrer autre chose, Pocoyo. Oh, on a une vue magnifique sur les planètes voisines. Oh, tiens, c'est un bouton, ça. Dites-moi, les enfants, voulez-vous que Pocoyo appuie sur ce bouton? Oui, appuie sur le bouton. Oh, oh, vous avez vu? Oh, comme c'est beau. En tout cas, ce bouton plaît beaucoup à bébé oiseau. Au revoir. Oh, des bulles.
Décidément, cette planète est vraiment pleine de surprises. Oh non! Je ne voudrais pas t'inquiéter, Pocoyo, mais ça, ça n'est pas bon. Où est-il passé? S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo où se trouve son ami martien. Là, il est derrière toi. Ah oui, ouf, il est là, je le vois. Parfait ce sauvetage, bravo Pocoyo. Allez, on continue. Et où sommes-nous? Ça ressemble à une forêt. Qu'y a-t-il, petit martien? Tu dis que nous sommes perdus. Ah, Pocoyo a une idée. Par là. Mais rassure-moi, Pocoyo, tu sais où nous sommes, bien sûr. Perdu! On est perdu, c'est clair. Mais ce n'est pas une raison pour s'affoler, n'est-ce pas, Pocoyo? Il faut réfléchir. Les bulles. Nous les avons vues tout à l'heure, n'est-ce pas? Les cratères à bulles. Tu les as trouvés. Excellente idée. De là-haut, tu peux voir où vous êtes. Bon, alors examinons les environs. Tu reconnais quelque chose? Des arbres de l'espace et des planètes qui s'allument et qui s'éteignent. Aidez-le, les enfants. Dites à Pocoyo si on a déjà vu l'une ou l'autre de ces choses. Oui, les planètes. On a déjà vu les planètes. Vous avez raison. Tout à l'heure, nous sommes passés à un endroit d'où l'on voyait ces planètes. Allons-y. C'est bébé oiseau. D'où vient ce bruit? Ça ressemble à du tambour. À ton avis, Pocoyo, qui fait ce bruit? Pato. Mais oui, c'est Pato. Bravo, vous l'avez retrouvé. Mais où est passé notre ami martien? Oh, il a trouvé l'aéroballon. Un grand bravo à Pocoyo. Il a réussi à retrouver son chemin. Au revoir et à bientôt. Oh, regardez, mais c'est Pocoyo et son ami Pato. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Oh, quelle belle matinée. Vous avez de bien jolis ballons, dites-moi. Mais au fait, où allez-vous? Ellie. Ah, j'ai compris. Vous voulez aller montrer vos jolis ballons à Ellie. Quelle bonne idée. Ellie. Je vois. S'il vous plaît, les enfants, vous pourriez expliquer à Pocoyo pourquoi Ellie ne lui répond pas. Parce qu'elle dort. Ellie est endormie. Ils ont raison, Pocoyo. Apparemment, Ellie a décidé de faire une petite sieste. C'est une merveilleuse idée, Pocoyo. De cette façon, quand elle se réveillera, il y aura une belle surprise. Oh non, les ballons! Oh, ce n'est pas vrai. Ellie, reviens!
ballon. Bien sûr. Excellente idée, Pocoyo. Mais où est passé Ellie? Oh non, les ballons se sont détachés. Dépêchez-vous. Fais vite, Pato. Encore. Vite. Vite. Il ne faut pas qu'elle tombe. Tu dessines un schéma. Tu as un plan, c'est ça? Bravo, bien joué, Pato. Mais et maintenant, regardez où va Ellie. Pocoyo et Pato n'ont pas l'air de voir le danger. Vite, s'il vous plaît, les enfants, dites-leur ce qui risque d'arriver. L'arbre, elle va s'écraser contre l'arbre. Dodo l'oiseau, Dodo l'oiseau. Ce serait peut-être plus prudent si tu quittais ton nid. Juste pour quelques minutes. Tu comprends, il y a un éléphant assez gros perché sur un skateboard qui fonce droit sur ton arbre. Oh là là, elle n'est plus très loin. J'ai l'impression qu'Ellie voudrait savoir pourquoi vous l'avez laissé dormir aussi longtemps. Bon, d'accord, j'ai compris. C'est moi qui vais tout lui expliquer. Voilà. Pour commencer, tu as volé dans les airs. Ensuite, grâce à un parachute, tu es redescendu sur Terre où tu as failli tomber, mais tu t'es retrouvé sur un skateboard et après... Oui, je vois. Au moins, tu te seras bien reposé et nous, on aura vécu une aventure que l'on n'est pas prêt d'oublier. Un grand bravo pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt. Cette fois-ci, nous allons voyager dans l'espace. Oui! Bonjour, Pocoyo. Bonjour, Pato. Bonjour. Qui a-t-il, Pato? Ah, tu veux piloter l'aéroballon? Oh, attention, Pato! S'il vous plaît, les enfants, dites-lui d'aller doucement. Moins vite, Pato. Cette pièce ne devait pas être très importante. Et d'un autre côté, peut-être que si. Oh là. Ah, ouf.
J'ai l'impression que vous allez devoir retrouver la pièce qui s'est détachée. C'est par là. Je crois que Pato préférerait que vous alliez chercher de l'autre côté. Ah. Qui a dit ça? Pato a entendu des bruits très bizarres et ça lui a fait peur. Si ça se trouve, mon petit Pato, c'était juste ton imagination. Non, finalement, ce n'était pas ton imagination. C'est un... Ah oui, c'est un extraterrestre. Pocoyo a du mal à croire que Pato ait vraiment vu un extraterrestre. Si vous êtes d'accord, on va lui dire que nous aussi nous l'avons vu. Oui, il y a bien un extraterrestre. Pato, méchant. Doucement. Soyez gentils, les enfants. Dites à Pocoyo où est l'extraterrestre. Sur ta tête. Quelle surprise! C'est la pièce de l'aéroballon qui s'est décrochée. Voilà pourquoi il n'arrêtait pas de te courir après, Pato. Il voulait simplement te la donner. Une tranche de pastèque maintenant, c'est ce que tu préfères, Pato. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu viens de te faire une nouvelle amie, Pato. L'heure est venue de rentrer chez nous. Il va falloir aller se coucher. Ne sois pas trop triste. Tu viendras lui rendre visite un autre jour. Il faut juste que tu apprennes à conduire l'aéroballon correctement. C'est plus prudent. Comme c'est gentil. Un grand bravo pour Pato et un autre pour Pocoyo. C'est tellement agréable de se faire de nouveaux amis. Au revoir et à bientôt.
Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Oh, des tubes. Tu as raison, c'est une belle journée pour construire des tours. Oh, regarde, il y en a d'autres ici. Tu as vu ça? Ah, pardon, j'ai dû me tromper. Ah, cette fois-ci, je suis certain d'avoir vu quelque chose. Oh. S'il vous plaît, les enfants, pouvez-vous dire à Pocoyo ce qui s'est passé quand il s'est mis à chantonner? Les cubes ont bougé. Ça alors, regardez-moi ça, c'est incroyable. Si tu veux mon avis, Pocoyo, ce ne sont pas des cubes comme les autres. Je n'avais jamais vu ça. Pas de doute, ils adorent la musique. Ces cubes doivent être magiques. Je ne vois pas d'autre explication à ce phénomène. Dès que l'on arrête de faire du bruit, ils cessent tout de suite de bouger. Oh, ça, c'est une excellente idée. On va voir comment ils réagissent quand on leur fait écouter toutes sortes de musiques différentes. Du rock, chouette, j'adore. Jazz maintenant. C'est ma musique préférée. Oh, de la musique classique. C'est très impressionnant comme son. Pocoyo, pardon de te déranger, mais Pato est... Bon, tant pis. Pocoyo, tu veux bien aider Pato à redescendre? Il est coincé en haut des cubes musicaux. Pocoyo, es-tu sûr que c'est la meilleure chose à faire? C'est important, Pocoyo. Tu te rappelles ce qui se passe quand la musique s'arrête? Vous pouvez l'aider, les enfants. Vous vous rappelez ce qui arrive quand quelqu'un arrête la musique? Les cubes tombent! Pato tombera avec eux. Pocoyo réfléchit. Comment faire pour aller là-haut et sauver Pato? Mais oui, bien sûr. Heureusement qu'on a l'aéroballon. Bravo, Pocoyo. Thank you.
bien, je suis fier de toi. Oh, vous parlez d'une aventure. C'était formidable. La musique, ça peut vous faire vivre de grands moments. La preuve. Un grand bravo pour la musique. Et un autre pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Oh. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça? Porte. Exact. Et je me demande ce qu'il y a derrière. Dites les enfants, vous pensez que Pocoyo devrait l'ouvrir? Qui donne sur le ciel. Ça, alors, c'est inhabituel. Bateau! Bateau, regarde! Ciel! Ça, alors, je me demande où est passé le ciel. Oui, mais... Non, attends, attends. Je crois que Pato veut regarder les poissons. Les enfants, dites-lui où est son ami canard. Il est passé par la porte. Oh, Pato, te voilà. Pocoyo te cherche partout. Une minute. Oh, Pocoyo, tu viens de rater Pato. Pato. Non, Pato, attends. Oh là là. Je suis désolé, Pocoyo, tu viens encore de le rater. Cette porte est vraiment très bizarre. Recommence. Oh! Oh, tu l'as vu? Bateau. Oui, il vient juste de passer. Oh. Voilà. Quelle surprise, une deuxième porte. Encore des portes, décidément. Allez.
Allons, allons, mon petit Pocoyo, tu ne peux pas baisser les bras maintenant. Oh, ces cris me rappellent quelqu'un. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo qui vient de crier. Pato, c'est Pato. Oui, je crois que vous avez raison. C'était la voix de Pato. Tu devrais peut-être aller chercher de l'aide, Pocoyo. Ellie! Bonjour, Ellie. Pato, ici. Bravo! Vous l'avez retrouvé! Qui est-il, Ellie? Ah, tu travailles sur quelque chose. Ça m'a l'air plutôt important. Je me demande ce que c'est. Oh, je vois! Voilà pourquoi Ellie était si occupée. Elle était en train de préparer une petite fête. Comme c'est gentil! Un grand bravo pour Pocoyo, parce qu'il n'a pas baissé les bras. Au revoir et à bientôt. Oh, regardez, voilà Pato et Pocoyo. Bonjour, mon petit Pocoyo. Bonjour, Pato. Bonjour. Et quel est cet objet qu'il se renvoie? Savez-vous comment ça s'appelle, les enfants? Une balle! C'est une balle! Oui, c'est une balle! Et elle est drôlement jolie, cette balle. Toute rouge et en plus, elle rebondit. Elle est neuve, n'est-ce pas? J'ai l'impression que bébé oiseau aime beaucoup cette balle, lui aussi. Bonjour, bébé oiseau. Ah, c'est toujours très amusant de jouer avec une balle neuve, n'est-ce pas? Pocoyo, Pato, apparemment bébé oiseau aimerait beaucoup jouer avec vous. Pauvre bébé oiseau, Pocoyo et Pato trouvent que tu es encore trop petit pour jouer avec leur nouvelle balle. Et maintenant, Pocoyo, que vas-tu faire? Où a-t-il bien pu passer? S'il vous plaît, les enfants, si vous savez où se cache bébé oiseau, ça vous ennuierait de le dire à Pocoyo? Il est dans l'arbre! Oh non! Il s'est envolé! Je ne sais pas comment vous allez faire pour récupérer la balle. Excellente idée, bravo! Vous allez prendre l'aéroballon.
Pocoyo, petit farceur. Allons, ne pleure pas, bébé oiseau. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo et à Pato ce qu'ils doivent faire pour que bébé oiseau arrête de pleurer et que tout le monde soit content. Laissez-le jouer avec vous! J'aime mieux ça. Pocoyo a compris qu'il y avait quelque chose de plus important que sa nouvelle balle. C'est le bonheur d'un ami. Regardez comme ils sont contents tous les trois. Tout est bien qui finit bien. On va les laisser jouer tranquille. Ah, un grand bravo pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt.